qu'ici j'ai toujours chanté dans ma chambre derrière mon micro, alors que j'avais aucun public au-delà de mes parents et de quelques amis. Pour moi, sur la scène de The Voice, il y a ma passion et il y a vraiment le plaisir de chanter. Et c'est tout ce qui compte en fait. Si je suis prise à ces auditions, je donnerai tout ce que j'ai jusqu'au bout. J'imaginais que vous étiez assis à un piano. Il y avait un beau rapport entre la voix et le piano. Et ça m'étonne que vous n'étiez pas en train de chanter, en train de jouer. Moi, et ça, c'est un compliment. Parce que vous êtes complètement à l'aise dans le rythme du chanson. Ouais, vous le êtes rythme libre. Et le flow, ouais. Et c'est vraiment bien. L'émotion, vous l'avez dans votre voix. La voix, vous l'avez. Le contrôle n'est pas à 100%. C'est pour ça que je n'ai pas appuyé le bouton. Maintenant que je sais que vous avez 17 ans, c'est juste une question de temps. À mon avis, vous pouvez aller encore plus loin, encore plus haut. Parce que c'est vrai que la voix, elle est là. Je pense qu'il faut plus que tu chantes comme tu parles, ce que tu as envie de dire, parce que tu es touchante. Et là, c'est comme s'il y avait beaucoup de vibrato. J'arrivais même pas à savoir si c'était une envie de faire des vibrato comme ça, en fin de phrase, ou c'était un peu une maladresse sans le savoir. Mais juste de laisser aller les phrases sur ce que tu penses, parce qu'on te voit en plus, t'as l'air d'une personne hyper sincère dans ce que tu fais. Et fais juste connecter les deux, attacher les fils ensemble et ça va super bien se passer. Oui, c'est vrai que quand on vous écoute, on a l'impression qu'on a une personne plus âgée que vous avec peut-être certains tics ou certains défauts difficiles à corriger. Et quand on vous voit aussi jeune avec cette voix-là, d'un seul coup, on se dit, bah non, c'est juste parce qu'elle est trop jeune, donc ça va venir, ça va se former. Et vous allez certainement faire un joli petit bout de chemin, vous, parce que vous avez beaucoup de qualité. Oui, merci. C'est très étonnant d'apprendre que vous avez 17 ans. C'est vrai qu'il y a une certaine maturité dans votre voix. Et en même temps, vous ne contrôlez pas encore complètement. Peut-être aussi le choix de la chanson. D'accord. Qui demande beaucoup plus de retenue et de nuances. Et on sent que vous avez envie. C'était très joli, en tout cas. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Mais dis-toi qu'on t'aime, quand même. Ouais, merci. C'était super. Elle chante très bien. Ça m'a fait de la peine.
Elle avait les larmes dans les yeux. Malheureusement pour Chloé, The Voice s'arrête ce soir. Difficile pour un talent de quitter la compétition, et difficile aussi pour les coachs de voir partir des chanteurs déçus.